Oh, c'est ça l'idée, maman yo, c'est ça l'idée. Ouh, c'est ça l'idée, pour vous faire danser, c'est ça l'idée. Maïe, ma patisse, il la faut, da oui, so windy. Oh, every day, maman yo, on se tue pour la moula. Tout le monde veut danser, nanana, Salut, salut tout le monde, il s'agit bien de Che Guevara, on parle de Che Guevara aujourd'hui. Excusez-moi, c'était hier, normalement je devais diffuser cette vidéo-là, mais je l'ai reportée à aujourd'hui. J'espère que mes spéciales vidéos ne vous ont pas manqué. On se reprend juste après le jingle. Tu sais, tout dépend de toi. Tu n'as qu'à le dire et je serai là. Qu'est-ce que je peux bien dire sur Che Guevara? Mais vous avez lu les titres? Je vais débattre autour de ça. Qu'est-ce que je peux bien dire de Che Guevara Didier? L'un des rares artistes coupés décalés qui a surfé de succès en succès, sans clash, sans buzz. Juste à cause de la dimension de son talent. Il va d'abord se révéler sur un featuring avec sa mère. Merci Yahweh, merci, merci Yahweh, merci. Ouais, moi, la première fois, dans mon jeune âge, quand j'ai écouté pour la première fois ce morceau, j'ai dit, mais c'est qui ce gars-là? On dit, non, c'est la fille. Et c'est le fils de maman Antoinette Annaline. Il dit, ah bon? Ah, il est dangereux, hein? Or, je me rappelle qu'une fois, je l'avais aperçu à l'Élysée Virard, c'est un bar qui faisait très fort dans le temps, à Cocody précisément la Riviera. On m'a dit qu'il officiait comme un disc jockey là-bas. Je l'ai écouté une fois, j'ai dit, ah, ce mec-là, il est vraiment, vraiment fort. Donc, sachez que quand vous voyez les gens comme Che Guevara, là, d'abord, c'est vrai que sa mère est une grande chanteuse connue de manière internationale, ivoirienne. Mais, lui-même, c'est un bosseur, parce qu'il vient de loin. Hein. Sa maman avait tout. Elle avait tous les moyens pour qu'il vive à l'aise, mais il avait la musique dans ses veines. Donc il préférait aller crêcher avec ses amis dans ces bars-là. Question de, comment on dit, se former pour être ce qu'il est aujourd'hui. Mais ce qu'il faut savoir aussi avec Che Guevara, ça c'est une vérité, Che Guevara fut pour moi, mon humble avis, l'un des tout premiers numéro 1 du coupé décalé. Ceux qui le savent vont le reconnaître. Che Guevara Didier fut l'un des tout premiers numéro 1 du coupé décalé. De la manière que Didier Arafat est numéro 1, et ça fait combien d'années maintenant là? C'est comme ça que Che Guevara, dans le temps, je crois, il a surfé sur 3 ou 4 ans de règne. Et je ne vais pas lui en vouloir. Parce que pour le détrôner, il a fallu deux personnes. Debordeaux et Didier Arafat. Vous vous rappelez? Qui se rappelle bien du parcours de Che Guevara même? Quand il a envoyé Tchoukou Tchoukou à Bébé Philippe. Il y a un seul morceau de Che Guevara, à part ces morceaux spot, qui est déjà passé inaperçu que vous connaissez. Moi, je n'en connais pas. Il a chicoté Tchoukou Tchoukou. Il a chicoté Kokobaka. Il a chicoté Batio. Avant, tu vas en boîte, tu vas dans les bars, dans les marquis. Si on ne te joue pas du Che Guevara, mon ami, ton marquis sera vide. Parce que c'est lui qui contrôlait quelque chose en ce moment. Vous savez très bien que ce que je viens de dire là, c'est la vérité. Je ne suis pas en train d'inventer. Hein? Le tout premier numéro 1 du coupé décalé. Sauf que Didier Arafat avait tellement la rage de vouloir contrôler ce mouvement-là, comme on dit, la course-quitter de mèche avec son binôme. Debordeaux et Koufa. Sinon, Che Guevara, c'est l'un des plus gros talents aussi, hein, de notre coupé décalé. Et puis, ce qui me plaît chez lui, c'est un artiste qui est très très bien organisé aussi. Très très bien organisé. Ne soyez pas jaloux quand j'ai dit que ça a été le tout premier numéro 1 du coupé décalé. C'est la vérité. C'est la vérité. Il a contrôlé longtemps, je crois, 3 ou 4 ans, avant que quelque chose, oh, Didier Arafat puisse venir lui arracher sa couronne de numéro 1. Donc, pour dire aux nouveaux venus, aux nouveaux fans du coupé décalé là, qu'avant Didier Arafat, Che Guevara a fait son temps.
Je vous parle pas des sons que lui il a fait sortir, ça marche un peu, après on oublie. Lui il a fait sortir, ça marche un peu, on oublie. Non, on parle de quelqu'un qui contrôlait. Que tu vas là contrôler ce coupé décalé. Même si c'est si 3 ans, il a contrôlé quand même. La seule chose qu'on reconnaît à Didier Arafat aujourd'hui, c'est que son règne a duré. Ça, on peut pas discuter. Mais avant que lui soit numéro 1, Kiki Vara puisse se vanter de dire qu'il était numéro 1. Et tellement modeste, tellement effacé et tellement humble, jamais il s'est tapé la poitrine pour dire qu'actuellement, là, c'est moi qui contrôle. Jamais. Mais ceux qui sont francs, ceux qui sont vrais, savent que ce qu'il est en train de dire, c'est la vérité. C'est le mec qui te fait son premier conseil, organisé par lui-même, du tableau de production. Il te remplit ça. C'est bizarre, hein? À part son poulain MC One qui a fait un poteau au palais de la culture, qui dévara, je ne sais pas comment on l'a conçu, je ne sais pas comment la mère l'a conçu, mais franchement, le mec, il ne sait que sur du succès, quoi. C'est vrai qu'il n'est pas trop bavard, trop bruyant, mais qui dévara, c'est vraiment qui dévara. De manière que j'aime vous dire, que Debordeaux c'est Debordeaux là, Kijivara c'est Kijivara. Et puis, si je veux faire un classement des plus gros talents, en tout cas, Kijivara ne sera pas deuxième, il ne sera pas troisième, il ne sera pas premier, mais il ne sera pas quatrième non plus. C'est pour dire, dans ce coupé décalé là, il y a beaucoup, nombreux qui sont talentueux, mais ils n'ont pas eu la chance de certains de leurs collègues pour vraiment exploser. Comme ils le méritent, à la dimension vraiment de leur talent qu'ils ont. Kijivara Didier, c'est un parcours sans frasque. Je pourrais dire, le seul frasque de Kijivara, c'est son petit, ça c'est pas une classe, c'est un clash passager même. Entre Serge Beno et lui, et entre lui et le Moula. C'est la seule fois qu'on a vu, qu'on a découvert que Kijivara sous un autre visage. Tout le monde était choqué. Parce que ce genre de personne a mieux vaut ne pas avoir affaire à elle, quoi. Voilà. Même si elles ouvrent la bouche, que ce qu'elles sont en train de raconter est faux, les gens vont croire. Parce qu'on dit, lui, là, il ne parle pas. S'il a parlé, c'est que c'est vrai. C'est le seul jour, moi, j'ai vu vraiment Kijivara dans des clashs, quoi. Voilà. Et puis un petit clash aussi avec les Kif No Beat. Ça n'a pas duré parce qu'il a dit qu'ils n'étaient pas à son niveau en fait. Kijivara, c'est un parcours. Hein? C'est 11 ans de carrière maintenant. Nous sommes en 2019, donc je peux me permettre de dire que le 18 avril, ça fera 11 ans de carrière maintenant. Kijivara est le premier artiste coupé décalé à avoir son propre studio. Vous le savez? Kijivara a été le premier artiste coupé décalé à avoir un studio, à se doter d'un studio. Kijivara est le premier artiste coupé décalé à créer un label. Kijivara est le premier artiste coupé décalé à créer une fondation. Il faut respecter ce jeune-là. Il faut respecter ce battant-là. C'est un parcours. Donc comprenez que si tout marche pour lui, c'est parce que, un, il a reçu une très très bonne éducation. On n'a jamais vu, vraiment vraiment on dira, injurier quelqu'un ou vraiment, comment je vais dire ça, c'est-à-dire sous un joug désagréable quoi, à part ce que je vous ai précité il y a quelques instants. Kijivara c'est le mec, son leitmotiv c'est l'humilité, voilà. Je peux vous dire que c'est l'un des plus riches DJ de Côte d'Ivoire, hein. Voilà, mais c'est parce qu'il parle pas. C'est l'un des plus riches de Côte d'Ivoire. Parce que quand tu regardes ses collaborations, quand tu regardes ses manifestations, quand tu regardes façon même lui-même, c'est structuré là, tu sais que ça va chez lui. Mais c'est le mec, il n'en parle pas. Il ne prend pas ça pour faire pour dada comme on dit. Voilà. Donc ce que je voulais vous faire retenir dans cette vidéo là, c'est ce Kijivara là, c'est un artiste à suivre. C'est un artiste vraiment à suivre. Et puis le premier numéro 1 du coupé décalé, que le coupé décalé est connu là, c'est bien Kijivara. Kijivara a été numéro 1 avant notre Didier Arafat. Voilà, donc il mérite tout le respect du monde. Tout le respect. Voilà.
Donc c'était un peu ça la vidéo que Kedji Vara. Les gens pensaient qu'il y allait attacher encore Kedji Arafat. Mais j'ai dit une vérité que tout le monde reconnaîtra en commentaire. Donc j'attends vos commentaires. Si j'ai menti, vous me dites que j'ai menti. Si j'ai dit vrai, dites-moi simplement que j'ai dit vrai. Puis partagez la vidéo. Abonnez-vous massivement, c'était Ritor, on est ensemble. Ciao, ciao.